Nous trouvons la lecture de ce matin pour notre méditation hebdomadaire dans le livre des Chroniques. Deux Chroniques, le chapitre 14, le verset 10, à partir du verset 10, nous lisons. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Amen. Amen. Toute source d'inspiration, nous, c'est dans la parole de Dieu. Parce que devant chaque défi, la parole de Dieu vient comme une lumière sur notre chemin. Et le roi Asa, t'es devant un défi. Qui défi que le t'y ait une grande armée, 2 millions d'hommes, hein? 1 million d'hommes, 300 chars campés pour batailler avec lui. Tandis que Asa, c'était un roi qui t'est marché droit devant mon Dieu. Période roi Asa, c'était une période de paix. C'était une période de réforme, grande réforme en matière religieuse et même en matière militaire. Asa, c'était un roi réformateur. Et la parole de Dieu dit nous, il profitait de période de paix ça pour bâtir des villes fortes en Juda. Asa fait de grands ménages en détruisant les lieux de culte idolâtres, les divinités cananéennes qui étaient poussées comme des dion-dion. Asa avait un pile respect pour l'Éternel. C'était vraiment une période de paix, sous période Asa, roi Asa. Eh bien, tout à coup, le roi Asa a commencé à voir s'amonceler dans le ciel de Juda de sombres nuages. Et ces nuages annoncent une grande tempête. Il y a un certain Zerach, l'Éthiopien. Et si nous lisons dans chapitre 14, à partir du verset 8, là, on voit Zerach, l'Éthiopien, qui a gagné une armée, qui a possédé 1 million d'hommes. Ah, 1 million d'hommes. Et ça, moi, je voulais ouais avec nous là. Moi, je voulais nous comprendre ça bien. Période là, c'était une période de paix pour Asa avec peuple Juda. Et tout à coup, bagay yo changé. Tout à coup, bagay yo prend yon l'autre tournure. Tout à coup, bagay yo prend yon l'autre dimension. Tout à coup, tempête la commence à faire rage. Dans la vie de tous les jours, nous-mêmes tous nous consentis tout bagay pour aller bien. Tout bagay pour aller à dérouler bien. Mais tout à coup, même gens avec Waza, te gen yon certain Zerach qui déclare la guerre. Nous même tout la vie nous kan a bien déroulé, mais tout à coup bagay yo changé. Ou même tout, gen de tempête qui paraît dans la vie. Li tellement secoué ou kon senti ou a déboulonné. Tempête sa yo, c'est un Zerach l'Éthiopien yo kan paraît dans la vie. Ou même gen avec Zerach, tempête la semblé Zerach l'Éthiopien dans la vie. 1 million d'hommes de troupes déclaré Asa la guerre. Tandis que Asa te gagné l'armée par là te possédé 300 000 hommes. L'armée Asa li te numériquement faible par rapport à 1 million pour l'armée de Zerach. Asa pas fait poids du tout. Asa pas fait poids.
Et c'est sûr que dans 1 million moun sa, dans 1 million garçon de troupe sa yo, dans 1 million eh bien homme de troupe sa yo, c'est sûr yo mélangé avec des mercenaires. En pile mercenaires là-dedans yo. Et yon mercenaire, c'est un monde qui sans état d'âme. Yon mercenaire, c'est un monde yo payé pour faire un travail. C'est pour l'argent la travail. Il pas tenu compte de rien et c'est ça yo relé yon mercenaire. Là au pays yon mercenaire, 1 million moun pral bataille. Oh, c'est sûr que gagne des mercenaires là-dedans yo. Ah oui. Mercenaire la papa n'a respecté question de droit international, ceci, cela. Et même j'en ça a passé, et là actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Et yo dit nous que la Russie, eh bien, mettez un pile mercenaire Wagner, vous croyez les mercenaires russes, et un pile mercenaire qui soutient Tchétchénie, des mercenaires tchétchènes qui mélangeaient en Ukraine. Hein, des opportunistes, des mercenaires enrôlés à la va-vite. Et pas de problème. Et bien, c'est même réalité ça, nous, là, avec Waza. 1 million contre 300 000. Non, Waza pas fait poids. Waza pas fait poids. Les ennemis dépassaient en nombre l'armée du Waza. Et Waza n'a pas besoin de réfléchir pour comprendre qu'il n'avait aucune chance. Waza trop petit pour faire seul boucher avec lui. Waza trop petit pour valer à toute troupe liya. Ça Waza fait, Waza très intelligent et c'est même comportement ça m'a souhaité pour nous gagner tout. Waza al nan bureau bon Dieu. Waza rentre nan bureau bon Dieu. Là il cherche secours. Ou même tout le problème yo a saccagé la vie ou rentre nan bureau l'Éternel avec ou a remporter la victoire. Pas gen yon moun ki rentre nan bureau bon Dieu pou l pa sorti avec victoire. Waza dit Éternel, tu peux tout aussi bien venir en aide à un fort qu'à un faible. Ah, ça belle en pile. Tu peux tout aussi bien venir en aide à un fort qu'à un faible. Cela veut dire la puissance de Dieu est au-dessus de toutes les puissances. Et qu'il rétablit l'équilibre des forces en donnant le pouvoir aux plus faibles. Amen. C'est seul l'Éternel qui est en mesure pour l'équilibrer fort là, à faible là. Et sinon, si bon Dieu pas te mettre équilibre entre fort avec faible, fort yo t'a fait un seul boucher avec nous, parce que nous plus faibles. Amen. Waza est un roi intelligent. Li wè l'armée là, pas de fait poids. Li wè la perdu bataille là. L'aller directement côté puissance l'anye, qui c'est l'Éternel des armées. Et c'est là qu'il joint la victoire. Amen, amen, alléluia. Ou gagnons Zerach, l'Éthiopien, qui déclare la guerre matin. Moi, je ne connais pas, mais peut-être ou gagnons Zerach dans la vie. Problème ou yo, c'est comme si c'est Zerach, l'Éthiopien, yo paraît devant. Rentre dans le bureau l'Éternel matin avec yo. Matin, m'a posé une autre question. Qui monde qui très puissant dans la vie ou qui aborde défi tout le temps? Qui monde nous senti qui que ti force ou trop petit pour affronter le matin? Qui monde? M'a dit ou yon bagay matin. Si vous êtes face à une personne plus puissante que vous, soyez assurés ce matin que Dieu est plus puissant que cette personne. Dieu est plus puissant que cette maladie. Cette maladie qui te saccage, qui saccage ta vie, qui te déstabilise. Eh bien, Dieu est au-dessus de cette maladie. Dieu est plus puissant que ce défi, le défi lancé par l'ennemi ce matin. M'a dit yon bagaille.
plus vous vous sentez faible, plus le Christ est fort. Amen. Plus vous sentez faible, c'est plus que bon Dieu lui-même est fort dans la vie. Matin, dégagez-vous pour avoir le même comportement avec Asa. Asa t'a senti l'armée, il était faible en nombre, il était faible en soldats. Il n'est pas capable d'affronter l'armée Zerach qui était avec 1 million de soldats. Il est allé côté l'Éternel et l'Éternel t'a bali la victoire. Ou même tout, Zerach, l'Éthiopien, qui devant là, qui c'est problème ou yo, elle n'est pas fait tête. Pas qu'elle est avec yo. Ou pas capable. Portez au côté l'Éternel. Ou abjouen la victoire matin. Portez au côté l'Éternel. Ou abjouen la victoire pour la vie au matin. Fais comme Zerach tande. Fais comme Asa tande. Zerach te gen 1 million d'hommes. Asa te gen 300 000. Oh non, il était numériquement faible. Matin, soyez humble. Pour reconnaître que force ou trop petit. Combat ça ou là dans la force ou trop petit. En rentre dans le bureau bon Dieu matin. Et pas de monde qui rentre dans le bureau bon Dieu qui va sortir avec la victoire. Je reprends le texte de ce matin. De Chroniques 14 et le verset 10. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'homme n'a pas emporté la victoire sur Dieu. Notre Dieu est fort. Notre Dieu est puissant. Et le plus puissant que problème. Le problème est puissant, mais l'Éternel est tout puissant. Soyez richement bénis.